Vous avez réservé ? Oui, paillettes. P-A-Y-E-T. Je suis désolée, votre nom, il apparaît nulle part. J'ai réservé sur internet il y a 2 semaines, c'était une chambre pour 2 nuits. Je suis désolée, il nous reste plus que 2 chambres doubles et c'est pas tout à fait le même prix, surtout quand on réserve à la dernière minute. Ok, bon écoutez, je suis fatigué là, j'ai fait un long voyage et j'ai un rendez-vous demain, donc donnez-moi ce que vous avez. Non, je n'ai aucun rendez-vous à votre nom. Vous êtes sûr ? Écoutez, on a beaucoup de travail aujourd'hui. Vous ne pouvez pas repasser un autre jour ? Non, je ne peux pas repasser un autre jour. Je viens exprès de la réunion. Je suis là que pour 2 jours. Regardez, j'ai reçu... Valentine, Bartok n'est toujours pas arrivé ? Non, monsieur Barkham. Bonjour, monsieur Barkham. Je viens... Qui êtes-vous ? Je suis monsieur Payette. Enfin, vous m'avez envoyé cette lettre ? Ah, oui, on vous avait oublié. Suivez-moi. Excusez-moi, je dois passer devant un comité de lecture. C'est la règle. Mais lorsque j'ai lu la lettre, je pensais que c'était un rendez-vous entre nous, que vous aviez approuvé le livre. Non, je n'approuve rien sans mon comité. C'est eux qui vont décider. Suivez-moi. Je ne sais pour rien. En attendant Bartok, qui n'est donc pas arrivé, nous allons commencer par monsieur... Payette. Payet. Son livre s'intitule « La mort dans l'âme ». Allez-y, monsieur, nous vous écoutons. Alors, mon livre raconte l'histoire d'un homme qui vient de se faire licencier et qui est en instance de divorce avec sa femme en même temps. Ah ben d'accord, ça donne envie. Mais je cherche pas à désespérer le lecteur, c'est plutôt... Bien, je crois que c'est que je vais commencer, hein, puisque c'est moi le critique littéraire ici. Je n'ai pas du tout aimé votre livre, non. On ne s'identifie à aucun personnage. Quant à la narration diégétique, alors là, on n'écrit plus comme ça depuis... Bernard Maricotte. Si je peux me permettre, je ne suis pas plus féministe que n'importe quelle femme, mais vous présentez un homme en souffrance parce qu'il est victime des femmes. Je pense que vous ignorez ce qu'endurent les femmes qui vivent sous l'emprise d'un mari qui les terrorise. Mais ça n'a aucun rapport avec mon livre. Le sujet n'est de toute façon pas intéressant. Moi, en tant que critique politique, je trouve que vous êtes passé complètement à côté des sujets d'actualité. Connaissez-vous la prophétie de Daniel ? Soyez des hommes de désir. Vous devriez faire de votre personnage un homme de désir. L'amour christique ne dit pas autre chose. Mais c'est un livre écrit avec les pieds. Excusez-moi de vous interrompre, mon père. Écoutez, ça fait des années que j'enseigne la psychanalyse aux élèves de l'école doctorale Sigmund Freud à Paris 16e. Quand on apprend que votre personnage a été battu par son père pendant son enfance, vous donnez une mauvaise image du père, mais vous n'évoquez pas la faute de l'enfant. Pourquoi est-ce qu'il ne couche pas avec son ami d'enfance ? L'homosexualité est très importante dans la Bible. Le Christ lui-même... Et pourquoi votre livre ne raconte pas une histoire d'amour ? Pourquoi vous ne racontez pas l'histoire d'un homme qui vit en banlieue ? Et pourquoi vous ne racontez pas l'histoire d'une femme pour changer ? Des femmes avec des complexes oedipiens irrésolus. Et des scènes de lesbianisme ! Vous me faites penser aux staliniens. Hé, le stalinisme n'était pas le même selon les pays. Vous voulez décider ce qui est bien pour les gens, et décider de faire leur bonheur malgré eux. Non mais, il fait exprès de pas comprendre. Bon, il ne reste plus que monsieur Skolalowski. Souhaitez-vous ajouter quelque chose à tout ce qui a été dit, monsieur Skolalowski ? Non. Alors ce sera tout, monsieur... Payet. Nous allons délibérer et nous vous tiendrons au courant. Selon la lettre, vous êtes censé me rembourser les frais de logement et de voyage, donc je voulais savoir avec vous comment ça se passe. Je crois qu'il y a un malentendu, monsieur. Le remboursement des frais concerne les écrivains publiés chez nous. Relisez la lettre. En tant qu'écrivain publié chez nous. Alors, vous n'êtes pas publié chez nous. Quoi, mais j'ai mis mes économies dans ce voyage. Désolée, mais je ne peux rien y faire, monsieur. Excusez-moi, vous avez des messages pour moi ? Oui. En fait, j'ai pas une très bonne nouvelle. Est-ce que vous aviez laissé des choses de valeur dans votre chambre ? Oui, ma valise, l'ordinateur dans ma valise, mon billet de retour pour la réunion. Je suis désolée, vous avez été cambriolée. Quoi ? Tout a été volé, même les affaires de l'hôtel. C'est pas sérieux ? Vous avez un message. C'est quoi ça encore ? Une convocation.
Oui, je vois bien, merci, mais... Alors, nom, prénom, profession. Payette. P-A-Y-E-T. Didier, écrivain. Écrivain de quoi? Écrivain de romans. Des romans sur la drogue, des romans porno, peut-être? Ouais, mais non, c'est des romans sur... Bref, vous êtes né où? À Saint-Denis. En Seine-Saint-Denis? Non, à La Réunion. Saint-Denis, à La Réunion. Vous n'êtes pas français? Si, je suis né à La Réunion. Faites-moi voir votre carte d'identité, monsieur. Je vais devoir la garder le temps de l'enquête. Vous devez rester en France, monsieur. Quelle enquête? C'est quoi ces codes? Monsieur, calmez-vous. Je veux juste partir, rentrer chez moi. Mon billet d'avion était dans ma chambre. On m'a cambriolé. J'ai plus rien. Vous n'irez nulle part, monsieur. J'ai reçu des plaintes contre vous. Des plaintes de qui? Vous êtes toujours monsieur Didier Payette? Payette, oui, pardon. Payette. J'ai reçu plusieurs plaintes d'un comité de lecture, les éditions Barkham. Ça vous dit quelque chose? Vous les auriez traités de Stali... Je comprends même pas le mot. Juste pour ça? On n'insulte pas les gens, monsieur. Mais... Alors, ce qui va se passer, c'est pas compliqué, monsieur. Vous allez être placé en garde à vue, à l'issue de laquelle vous serez déféré au tribunal, et un juge vous placera en détention préventive. En attendant... Oh! Oh! Est-ce que vous êtes tous devenus fous, là? Ou c'est juste moi? Hein? Dites-moi!